Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Je vous le disais, on va faire un quiz. Voilà, le test des soldats américains, tout simplement, de la Première Guerre mondiale. Yes, sir. Qui leur attribuait un poste. Donc, en fonction de ça, je vous attribue un poste. Yes, sir. Qui veut prendre la première question? Alicia. Alicia, première question. Du coup, apparemment. C'est très simple. Ah non. Alors, celle-là, en vrai, est vraiment simple. Ah bah, je la prends. Genre, en fait, je sais pas à quoi m'attendre. Laissez-moi là. C'est un peu du calcul et c'est du calcul tranquille. Non, mais laisse-moi là. Je suis vraiment naze en maths. L'autre est plus dur. Alors, première question. Un marchand achète des ânes pour 1 200 $. Jusque-là, okay. Tout va bien. Il les revend ensuite pour 1 850 $. Ok. Combien a-t-il fait de bénéfices? 650. Oui, Alicia. Ah, c'est tout. Tu ne seras pas en première ligne. Voilà. Yes. La première question était plutôt simple. Ah, vas-y, là, avec cette bonne réponse aux États-Unis, elle est envoyée à la recherche. Ah non, mais elle est recherche générale. Elle est générale. Là, c'est présidente des États-Unis. Bravo, Alicia. Bravo. Merci. Incroyable. Zonk. Dis-moi, je vais prendre une balle, moi. Une mitrailleuse est plus. Une mitrailleuse est plus mortelle qu'un fusil. Pourquoi? Il y a trois propositions. La première, parce que son invention est plus récente. Deuxième, parce qu'elle fait feu plus rapidement. Bon. Troisième, parce qu'elle peut être utilisée avec moins d'entraînement. Oh. La mitrailleuse par rapport au fusil. Les trois, je pense. Bah, ah, mais c'est pas à moi, ça. Ouais, attention. Non, mais il a pas. Il y en a qu'une. Ah, il y en a qu'une. La deux? Non. Parce qu'elle fait feu plus rapidement? Je sais pas, ouais. J'ai l'impression qu'il est au bac. Oui, c'est ça. Donc, tout va bien, c'est bon. Eh, ça aurait pu être les trois, je pense. Hein. Ouais, je sais pas, tu vois. Ouais, mais enfin, parce que son invention est plus récente, ça veut rien dire. Bah si, peut-être que les balles sont plus la technologie est plus développée. Madame la générale. Excusez-moi. Bah écoutez, j'ai mené plusieurs guerres maintenant à mon actif. Dwag. Et j'ai découvert ça. Prends une balle, prends une balle. C'est moi qui prends la balle. Je dis Dwag, mais première classe Dwag. Plutôt, première classe Dwag. Yes, sir. Alors c'est une séquence, donc assez simple de nombres, et tu vas devoir identifier la suite. La suite logique, ok. 5, 6, 7, 8. Est-ce que la suite c'est 9-11? Est-ce que la suite c'est 9-10? Ou est-ce que la suite c'est 7-6? C'est vraiment dur. C'est beaucoup de chiffres. Hein. En vrai, c'est jamais. Attends, concentre-toi. La réflexion, la réflexion. Ouais. 9-10. 5-6, 7-8, 9-10. Yeah, oui. Yeah, ça passe, on enchaîne parce que c'est quand même assez facile. Alicia, ça revient sur toi. Sélectionnez donc le mot approprié pour compléter l'analogie. Chaussure-pied, ouais. Chapeau, tête. Eh mais. Ah là là, mais elle est. Vas-y, on enchaîne, c'est qu'il y en a qui se trompent. Elle est vraiment. Dès qu'il y en a qui se trompent, c'est. Ça enchaîne. Alors, donc, encore une fois, Zan, tu dois sélectionner le mot approprié pour compléter la phrase. Ah, la pomme grandit sur un arbuste, arbre ou buisson. Attends, c'était quoi? Attends, pas. Ah, ça y est, l'impression. J'ai pas entendu le premier. Arbuste, arbre ou buisson. Arbuste? Oh le con. C'est un arbre. C'est un arbre? Mais non, Zan, c'est un arbre. Mais non. Mais non, bah non, mais j'ai même pas de son associé à ce que je peux mettre. C'est horrible. Des balles, si, des balles. Non, c'est pas. Bye. Bam. Si tu te demandes, c'est le bruit de mes. Ah là là, c'est l'arbuste. C'est l'arbre, pardon, c'est l'arbre. De toute manière, quand il fait le quiz, je comprends rien, ce mec. Je suis désolé. Bon argument, mec. Bon argument. Tu t'en sors bien avec cet argument. Dois que c'est pas terminé. On est plus que dans vie là. Des soldats avancent de 6 km puis reculent de 2 km. Ouais. À combien de kilomètres sont-ils de leur point de départ? 4 km. C'est bon. Trop. Allez, fort. Tiens, Alicia, tour. Les thermomètres. Vas-y. Sont utiles car ils régulent la température, ils nous montrent la chaleur de quelque chose ou ils contiennent du mercure. Bah, ils sont utiles pour la chaleur. Ils nous montrent la chaleur de quelque chose. C'est bien, Alicia. Alicia, toujours en course. En fait, tu t'attends tellement à des questions pièges. Moi, j'avoue que 7, 8, 9, 10. Mais putain, il y a du mercure dans les thermomètres. Non, mais c'est-à-dire que là, vraiment, c'est... Enfin, j'allais dire, faut 42 QI pour faire le quiz. Ah. Mais on a un éliminé, du coup. Du coup, je suis désolé. Y'a pas d'embrouille, les gars. Y'a pas de galère. Chacun son jeu, quoi. Identifier les nombres suivants de cette séquence. T'as que des séquences. C'est trop bien, j'aime bien ça. 17, 13, 16, 12. La suite est 15, 13, 15, 11 ou 11, 10. Oh, là, attends, il y a plein de chiffres. Je te dis, va trop vite. Alors, redis juste la séquence. 17, 13, 16, 12, ok. Et vas-y. La logique, c'est quoi? 17, 13, 16, 12. Du coup, c'est 15, 11. C'est bien. Yes. Alicia, le mot, pareil, c'est une petite analogie. Il vous reste deux questions. Une chacun, peut-être que vous avez envie. Ils ont envie tous les deux. Le denim. Le quoi? Denim. D-E-N-I-M. Ok. Excusez-moi. Non, mais. Je suis pas sûr de pouvoir répondre à ce quiz non plus. J'avais pas compris. C'est un aliment, une danse ou un tissu? Bah, c'est le tissu, c'est le jean. C'est très simple, c'est facile, c'est gagné. Toi, t'iras loin, toi. Hein. Ouais. Toi, t'as une fierté dans l'équipe. Ouais, tu vas pas prendre de balles, quoi. Nous tous, les autres cons, on est fiers de toi, Alicia. T'es la Pour bonne. Finir, Dwag, ouais. Tu dois compléter l'analogie œil, tête, fenêtre, clé, ou alors fenêtre, pièce, ou alors fenêtre, porte. Pas facile. Œil, tête, fenêtre.
fenêtre clé, fenêtre porte ou fenêtre... Fenêtre pièce. Allez, fenêtre clé. Bah non, c'est fenêtre pièce. Oh la vache, le con. Oh, qu'il est... Oh, qu'il est con. Elle m'a mis un petit dog. Oh, you fucker. Oh là là. Ah, c'était... Aïe. T'as compris pourquoi? Non, j'avoue que j'ai pas... Bah en gros... J'ai voulu répondre vite, mais... L'œil, c'est une partie de la tête, et donc la fenêtre, c'est une partie de la pièce. D'accord. L'œil est la fenêtre de l'âme. Voilà. Oh. Oui, oh, bah, ouais, bon, ça va. Présidente, présidente des États-Unis. Alicia, bravo, il y a un bard, ça va. Alicia quand même, et bravo Alicia, grande gagnante. Elle est la seule qui allait à l'école ici. Domingo, Alicia, Doya, donc tous les dimanches, 20h minuit, sur Énergie.